suis Julien Avril, auteur-metteur en scène, et je viens présenter le spectacle L'Atome. L'Atome parle des problématiques liées à l'énergie atomique, la bombe, l'exploitation des ressources uranifères, l'histoire de la création des éléments, la course à l'armement, les centrales nucléaires en France et ailleurs, et puis tous les paradoxes que ça engendre sur nos vies. Ce spectacle est né de la volonté de la compagnie de travailler sur une forme de théâtre documentaire. La radioactivité s'est assez vite imposée comme un sujet extrêmement paradoxal, explosif, intéressant à creuser, à fouiller pour développer une dramaturgie qui permet de faire une expérience commune, le changement de nature d'un document ou d'une information à travers le théâtre. Par exemple, c'est quelque chose de savoir comment se sont formés les premiers éléments chimiques dans l'univers et tout à coup d'en faire un conte, un récit amoureux, quelque chose d'épique, quelque chose de théâtral. Si tu me dis environnement, je pense à équilibre, interaction entre les êtres vivants, leur espace. Si tu me dis nucléaire, je pense fascination, séduction, terreur, puissance, infiniment grand, infiniment petit. Si tu me dis solution, elle est en chacun de nous, elle est encore à mettre à jour. Si tu me dis Toulon, je pense liberté, je pense à l'armada. Si tu me dis liberté, égalité et fraternité et combat. À la veille de cette première, je me sens extrêmement joyeux, heureux, ému, mais avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'envie et de stress aussi, de trac, comme on dit, parce que ça fait quand même 7 ans qu'on travaille avec la compagnie. De voir enfin ce projet, ce spectacle exister, naître, c'est formidable, c'est une chance inouïe.